It seems to be a great festival. It will definitely be good music. Une musique populaire mais savante. If you're missing the show tonight, then make sure that you catch the next one. Alors, pourquoi Kelly? Kelly, je l'ai rencontrée il y a 2 ans quand elle est venue faire la journée autour d'un label. C'était autour du label Plus Loin Musique. Elle était venue faire un concert sur Nina Simone. Et on avait parlé à l'occasion de l'éventualité un jour de l'inviter avec le Big Band. Est-ce que ça la brancherait? Est-ce qu'elle voudrait tout ça? Elle m'a dit tout de suite oui. C'était spécial parce que moi-même, j'ai pensé, j'aimerais bien chanter avec un Big Band. Mais ça, c'était une seule idée. Et je me suis dit, OK, j'aimerais bien chanter. On fait un hommage à Frank Sinatra. C'était une autre idée. Et puis, avec lui-même, pardon, Philippe Léger, il a eu la même idée, mais pas Sinatra, mais juste pour m'avoir avec le Big Band 31. Ce que j'aime chez elle, c'est que il y a plein de chanteuses de jazz aujourd'hui, on est d'accord. C'est une vraie chanteuse de jazz parce qu'elle a en elle la soul justement et le blues. Et puis elle a ce côté viscéral, tripal qu'on a besoin dans cette musique-là. C'est vraiment un partage avec Philippe et moi. Et moi, j'ai lui donné quelques idées, mais lui, il l'a attrapé, il a commencé à courir et maintenant j'entends depuis hier ce qu'on a fait ensemble. C'est très très spécial. Oui, j'adore. C'est pas une chanteuse de jazz de performance, de scat avec plein de phrases partout. C'est vraiment quelqu'un qui chante les chansons, qui les interprète à sa manière, qui vraiment met beaucoup d'émotion. Et son improvisation, elle est déjà dans la façon qu'elle a d'exposer les thèmes. Ça souffle, ça se tient en l'air. Tu vois, mais c'est vraiment quelque chose très spécifique de cette forme de jouer, parce que normalement je suis avec 4, jamais plus que 5 musiciens sur scène. Et maintenant je me sens très à l'aise, mais très soutenue aussi. Bah, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire encore plusieurs fois. Doesn't like crap games with sharpies or frogs. She's a tramp.